Sarkozy dans le rôle de Richard III. Pas d'hésitation pour l'éditorialiste Christophe Barbier. Si l'ancien président devait interpréter un personnage du répertoire classique, ce serait celui de ce roi shakespearien. Malgré son physique, Nicolas Sarkozy atteint les sommets et séduit tout le monde, s'amuse le directeur de la rédaction de l'Express. Le journaliste publie chez Plon un dictionnaire amoureux du théâtre. Il a accepté d'imaginer pour gala les dirigeants politiques dans différents rôles. Pour lui, François Hollande était Monsieur Jourdain dans Le Bourgeois Gentilhomme avant son élection et s'apparenterait aujourd'hui à un personnage de la biche. Il verrait volontiers Alain Juppé comme suivant de tragédie chez Racine par exemple, un être raisonnable chargé de calmer le héros, dit-il. Enfin, pour ce passionné des planches, lui-même comédien, Ségolène Royal, qui aurait pu être avant 2007 la mégère apprivoisée de William Shakespeare, est désormais le personnage sacrificiel d'Andromaque. Mais quel rôle joueront-ils dans le drame à venir, la présidentielle? That is the question.